Salut tout le monde, c'est Mamoto, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des duo pack offensive vapeur. Donc je vais vous présenter tout ça et puis on va en ouvrir quelques-uns. Donc j'en ai pris 6, voilà, donc j'en ai 6 à ouvrir. Et du coup donc ça va nous faire 12, donc 12 boosters hein, évidemment. Et on va découvrir les deux cartes promotionnelles. Donc tout d'abord les duo packs se présentent ainsi. Donc vous avez celui avec la carte de Rayquaza et vous avez celui avec la carte de Crefadé. Voilà. Donc j'ai deux Rayquaza et 4 Crefadé à ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les boosters des duo packs et je vous retrouve dans quelques secondes pour l'ouverture des boosters. A tout de suite. Donc me revoici donc avec les boosters ouverts. Voilà, hein. Bon, ils sont collés hein, parce que j'ai retiré le scotch et malheureusement le scotch, il y a un peu de colle dessus. Donc pour l'instant je les laisse comme ça. Et les cartes promo. Du coup je vais vous les présenter. Donc on commence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu ma caméra. Voilà. Pour pouvoir vous présenter ça quand même beaucoup mieux. Donc la carte promotionnelle de Rayquaza, donc c'est la XY141, donc avec une très jolie illustration, enfin je trouve vraiment sympathique, la pose est sympa, il me semble pas que ce soit une réédition de quoi que ce soit, hein, de mémoire, mais c'est vrai que bon après les Pokémon, ils ont pas, il n'y a pas 50 000 poses non plus pour les représenter. Donc voilà, donc ça c'est la carte promo de Rayquaza. Et la seconde carte promo, c'est Crefadé. Donc pareil, sublime illustration de Crefadé. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Avec les étoiles au fond, enfin, ça, c'est vraiment sympathique. Et elle est vraiment très jolie. Donc c'est la XY142, celle-ci. Voilà. Donc, à première vue, il doit y avoir que deux cartes promo sur Offensive Vapeur. Je suis pas sûre. Mais bon, moi j'en ai que deux pour l'instant, en tout cas. Ensuite, côté booster, nous avons des boosters de... Ah, je suis embêtée avec ma lumière, il faut que je revoie ça, voilà. Donc nous avons des boosters de Méga Gardevoir, shiny s'il vous plaît, voilà, qui est vraiment très très beau. Très beau Gardevoir shiny, enfin méga. Voilà, hop. On a aussi des boosters de Xerneas Break. C'est pareil, une très jolie illustration. Les boosters de cette série sont vraiment très très beaux. Nous avons aussi Volcanion. Donc Volcanion qui fait son apparition en France dans cette série. Donc ça va être les premières cartes françaises qu'on va avoir de Volcanion. Donc voilà. Et on aura aussi du Yveltal Break. Donc, il est très très beau lui aussi. Donc j'ai laissé les boosters par du opaque, hein, recto verso. Comme ça, moi j'aime bien savoir si j'ai eu de la chance dans les duo opaques ou pas. Donc c'est pour ça que je les ai laissés ensemble. Donc c'est parti, on va commencer avec un premier booster. Donc on va ouvrir un garde-voix. Hop. Et on va découvrir tout ça. Ah, les boosters sont assez solides, ils ne déchirent pas, ça c'est bien. Hop, donc je vous fais cadeau d'un code, voilà, et on est parti avec le 1 2 3 1 2 habituel et on y va et on découvre toutes ces cartes ensemble. Donc on commence avec un Marill, un Beaudrive, très jolie illustration. Les illustrations sont vraiment très belles, même Marill était beau. Un Grenipio, ok. Donc, toujours des illustrations très simples pour ce Pokémon. Passe rouge, qui est mignon comme tout. Flingouste, ok. Dinoclier, sympathique illustration aussi. Un Chimpanfeu. Il y avait longtemps que j'avais pas vu de carte de Chimpanfeu, donc ça fait plaisir. Un Déavide. Ok, alors moi les cartes des sœurs, c'est pas trop mon truc, hein, vu que je ne joue pas du tout au TCG.
Un ponita. Ok, un petit ponita dans un... Comment on appelle ça? Un box. Voilà, ce que je cherchais. Donc la river, c'est un ponita. Ok, et nous avons un gamblast en carte rare. Ok. Ok, ok. Alors, on va garder les cartes rares à l'écran aujourd'hui. Et on va continuer avec le second booster de ce duo pack. Je vais essayer de pas en déchirer. Ça serait bien. J'aimerais garder des en bon état. Franchement, ils sont vraiment bien scellés. Et ils s'ouvrent très proprement. Vous voyez, ça se déchire pas du tout si on fait attention. Et ça, c'est bien. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Avec un tropignon. Un tropignon pâte à modeler. Ok. Un grelasson, ok. Une sympathique illustration aussi, toute simple. Un watt-watt, ouais, c'est assez bizarre ce côté peinture. Enfin, de mémoire, j'ai jamais vu ça, mais c'est assez rigolo. Bon, ça va très bien ce Pokémon-là, pour le coup. Un tic avec une illustration, ce qu'on peut dire, vraiment très très simple. Hein. Pas de fond, rien du tout. Voilà, pas d'ombre, enfin quasiment pas d'ombre sur... au niveau du dessin, c'est vraiment un dessin ultra simple. Un Grenipion de nouveau, donc le lien spirituel de Stylix. Ok, un Nidorino, d'accord, sympa, dans une caverne on dirait bien. Ah, désolé pour le spoil. Un Anorite, pardon, je vais y arriver. Donc avec un dessin très très simple aussi, mais très joli. Donc, du coup, on avait un peu spoil. Donc, on a Flambusard en carte break. Et elle est vraiment très, très jolie. Très belle carte de Flambusard. Elle est vraiment super. J'aime beaucoup. Et la dernière carte, c'est un Yann Mega. Ok. Un Yann Mega. Hop. Regardez Flambusard ici. Donc on va passer à un second lot de boosters. Donc je décolle. Et on y va. Celui-là s'ouvre toujours super bien. C'est vraiment agréable. Donc je vais pouvoir garder mes 4 illustrations. Nickel, du coup ça va être parfait. 1, 2, 3. 1, 2. Et on y va. Avec un Tarinor. Donc Tarinor, c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Ensuite, nous avons un Granivole avec une illustration crayon de couleur, on dirait. Ça fait penser à ça. Un Miaouss, ok. Flingouste. Sans coquille, avec une très jolie illustration. Elle est vraiment très belle, très lumineuse. Boule de nœud, ok, on sait pas trop ce qu'il fait dans les câbles électriques. Brutalibré, pareil avec une illustration très très simple. C'est l'air d'être une série avec des illustrations ultra simples. Donc ensuite nous avons un Floravol, ok. Ah, la reverse c'est Brutalibré de nouveau. Et nous avons un Nidoking en carte rare. Ok, avec pareil une illustration un peu crayon de couleur. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est tout à fait ça. Hop là. Donc on va continuer avec un autre booster. Hop. Donc avec un nouveau booster de Gardevoir. Cadeau. Donc c'est parti, alors. Avec un Capumain. Un Beaudrive. Qui revient de nouveau. Watt-Watt. Passe rouge. Un Yanma. Très jolie illustration aussi. Vraiment très jolie. Et vraiment très beau. Le lien spirituel de Stylix. L'énergie, qu'on n'avait pas encore vu. Donc dessin très très simple mais joli.
un profiterol, ok. La reverse, c'est un sac de nœuds. Pareil, avec un dessin ultra simple. Ils sont pas trop foulés hein, dans cette série hein, pour côté les enfin, au niveau des dessins hein. C'est vraiment ultra ultra simple. Et un coteau vol en carte rare, ok. Hop, donc on va passer sur notre lot de boosters. J'aimerais bien qu'il y ait des choses intéressantes quand même dans ces biopacks. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, 1, 2. Oh là, pourquoi je compte 3? N'importe quoi. Mais j'ai fait un 2 en plus. Hein. Donc de nouveau, Granivol qui revient. Miaos qu'on a déjà vu. Flingouste aussi. Sans coquille aussi. Ah, Furéglon qu'on n'avait pas encore vu. Très jolie illustration. Un boule de nœud. Un brasillon. Très joli aussi. Dessin très simple. Gros drive. Ok. Toujours un dessin très très simple. Simiagraz en carte reverse. Donc c'est une rare reverse. Très jolie. Très jolie. Ah, et notre première holographique, pardon, avec un Pharamp. Il est sympa. Très joli. Très joli Pharamp. Je vais mettre sur le côté. Ou en haut plutôt, voilà. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mon Flambizarre. Donc on va ouvrir le booster de Volcanion. Voilà. 1, 2, 3, 2. Et donc c'est parti avec un moustillon qu'on n'avait pas encore vu. Joli moustillon. Un Marill. Un Ponyta. Un Funissir. Ok, première fois qu'on va Funissir. Un statique, pareil. Ouais, un peu Pokémon pâte à modeler. Donc un Guerriègle. Ok, avec un dessin très très simple. Un Pifeuille. Ouais, et très jolie illustration de Pifeuille, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment chouette. Un Galopa. Donc avec un dessin crayon de couleur, donc vraiment des illustrations très simples. Hein. Donc moustillon en reverse, ok. Et nous avons un clic-tic-clic en carte rare holographique. Qui est sympathique aussi. Donc on a une deuxième holographique dans cette ouverture. Donc il me reste 6 boosters. Hop. Et on continue avec hop, un booster de Xerneas Break. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne un code cadeau. 1, 2, 3, 1, 2, oui, voilà, c'est ça. Hop. Et donc, c'est parti avec un Granivol de nouveau. Un Funissir qu'on a déjà vu. Miaos. Ponyta. Un Furéglon. Ah, Mélancolux, qu'on n'avait pas encore vu. Ok, joli Mélancolux. Un Azumarill avec une carte double type. Donc ça c'est nouveau pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein, c'est nouveau, on n'avait pas de double type jusqu'à présent. En TCG on avait juste des types simples. Et là avec cette extension, pardon, on voit arriver les doubles types. Donc bah, ils seront représentés ainsi avec une carte bicolore. Et les deux signes de type en haut de la carte ici. Et je trouve que ces cartes sont vraiment sympathiques et elles sont vraiment très très belles. Donc là en plus en l'occurrence ce qui est encore plus sympa c'est que l'Azumarill est en version shiny, comme vous voyez il est jaune. Normalement Azumarill est bleu, voilà tout simplement. Et là c'est sa version shiny, il est vraiment très très beau. Donc on peut aussi reconnaître grâce à ces petites étoiles jaunes qu'il y a autour qui sont un peu la caractéristique des shiny quand ils apparaissent dans le jeu vidéo.
Donc on retrouve cette caractéristique donc sur la carte. Et je trouve vraiment cet Azumarill très 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 joli. C'est très agréable d'avoir des shiny parmi les cartes TCG. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable d'en avoir. Donc du coup, je suis très contente d'être tombée sur une de ces cartes. Parce que je trouve vraiment classe. Voilà. Donc on va continuer. Et du coup, je vais la garder parce qu'elle est vraiment belle. Avec une recharge spéciale. Donc la reverse, c'est Tick. Et la carte rare, c'est Seracrawl. Voilà, donc Seracrawl. Hop. Je vais essayer de regarder tout ça par là. Mais c'est là pour l'instant. Donc, on va ouvrir notre booster de Yveltal. Si j'y arrive. Je suis vraiment contente d'avoir eu cet Azumarill. Vraiment la carte très très jolie, elle est vraiment superbe. Alors 1 2 3 1 2, hop, et donc on continue avec un Watt qui revient de nouveau. Donc Yanma Whistikram qu'on n'avait pas encore vu. Ok, Grelasson, Flingost, un fossile, Trousselin, un petit Trousselin qui fait son apparition, Mateloutre, ok, jolie illustration aussi, Chimpanzé en feu, pardon, en reverse, ok, et nous avons un Golet en carte rare. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans cette ouverture, hein. J'ai pas eu de chance sur mes duo packs pour l'instant. Ça m'embête un peu, hein, je vous avoue. J'espère que l'autre moitié sera meilleure, parce que j'en ai encore 6. J'espère bien que l'ouverture sera meilleure tout de même. Donc on va continuer. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti avec un Maryl. Alors, attendez, ce que je cherche, où poser mes cartes au fur et à mesure. Donc Farfuré, qu'on n'avait pas encore eu. Des jolis Farfurés, il est sympa. Et Lionceau, ah, qu'on découvre pour la première fois aussi. Hop, Nidorino, très jolie illustration. Elle est vraiment très belle. Tarinor, qu'on a déjà vu. Hop, Trousselin. Mélancolux. Ah, le lien spirituel de Gardevoir, ok. Sympa. Dinoclier en reverse. Dinoclier qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure. Et ah bah celle-ci, on a déjà eu un Seracrawl en carte rare encore. Donc ça, on l'a déjà eu. Je vais le mettre par là. Donc il nous reste 3 boosters. 3 boosters. J'aimerais bien vous sortir quand même une ultra dans cette ouverture. Quand même. Parce que bon. Pour vous, ce serait quand même plus intéressant. Hop. Hop, allez, un petit code. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, c'est parti avec un Furéglon. Un Whistikram. Un Solochi qu'on n'avait pas encore eu. C'est la première fois. Un sac de nœuds. Kratopode, pareil, qu'on découvre pour la première fois. Donc le Profitroll, on l'a déjà vu. Ah, Click maintenant. Donc pareil que Tick, hein, une illustration très simple. Pas rien, vraiment rien de particulier. Mais bien mise en scène, je trouve. Mélancolux. Ouh, sympa. Ah, il est vraiment classe. Donc Yveltal en reverse. Donc c'est une rare reverse. Et comme j'adore ce Pokémon, forcément, je suis vraiment contente. Et l'illustration est vraiment très très belle. Elle est vraiment très belle. Et derrière, nous avons un Bastiodon. Ok. Je préfère quand même le Yveltal. Il est quand même beaucoup plus beau le Yveltal. Il n'y a pas photo. Hop. Je vais laisser hop, ma carte en haut pour l'instant. Donc, on va ouvrir les deux derniers boosters. Donc, il me reste un Volcanion et un Gardevoir.
Donc, on va voir ce qu'ils nous réservent tous les deux. Est-ce qu'ils nous réservent quelque chose? J'espère. J'espère, j'espère. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. S'ils ne nous réservent rien, j'ai vraiment pas de chance. Ou alors, ils sont tous dans les 6 autres displays, dans les 6 autres tripacks. Donc, moustillon. Passe rouge. Pyronie. Miaousse. Démenta qu'on n'avait pas encore vu. Même Pyronie d'ailleurs on l'avait pas encore vu tout à l'heure. Je passe un peu vite. Je suis désolée. Anorite qu'on a déjà vu. Chape en feu. L'énergie qu'on a déjà vu aussi. Donc statistique en carte reverse. Ok. Oh et Quatox en carte rare. Jolie illustration de Quatox. Sympathique. Ouais, il est classe. Il est classe. Bon, eh bien, on va ouvrir le dernier booster. Donc, à première vue, je ne suis pas du tout chanceuse sur cette ouverture. Bon, on remarque, après toutes les ouvertures que je vous ai faites, où il y a eu quasiment que des ultras tout le temps, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait une ouverture un peu fail, voilà, où on a beaucoup moins de chance. Donc, ça fait partie du jeu. Mais on peut découvrir les cartes, et ça, c'est quand même le plus important. Donc, Flingouste, Grenipio, Tarinor, Elionceau, Solochi, Brasillon, L'Énergie, Capidextre, le lien spirituel de Stélix en reverse, et oh bah, de nouveau Pharamp en carte holographique et rare. Ok, bon, eh bien, bah, c'est pas mal quand même. Hein. Bah, du coup, cette ouverture est terminée. Alors, bah, on n'aura pas eu grand-chose au final aujourd'hui. Bon, on aura quand même eu la Azumarill Shiny, qui est, faut avouer, super classe. Hein. C'est vraiment une classe carte qui est vraiment très très belle. Je suis aussi très contente de Liveltal. Liveltal en reverse, parce que j'adore ce Pokémon. Et bon, on a quand même eu trois cartes holographiques. Donc c'est pas dégueulasse quand même, hein, trois cartes holographiques. Donc voilà, et notre Flambusard Turbo. Voilà, donc la carte break de Flambusard, qui est vraiment une très 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 belle carte aussi, au passage. Donc je suis quand même assez contente de cette ouverture. Bon, je vais laisser dessus. Parce qu'il faut avouer quand même que cette carte est vraiment classe, c'est vraiment très très belle. Voilà. Bon, eh bien, bah, sur ce, du coup, je vais vous laisser. Cette ouverture est terminée. J'ai encore 6 duo packs de cette série. Donc, je pense que je vais faire une seconde vidéo pour essayer de vous proposer quelque chose de mieux. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il y ait quand même de l'ultra dans ces 6 autres duo packs. Parce que là, il faut avouer que j'ai vraiment pas eu de chance. Sachant qu'ils viennent tous du même carton, logiquement, normalement, il devrait y avoir quelque chose. Je l'espère. Voilà. Sinon, j'ai pas de bol. Bon, eh bien, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!